commencer cette vidéo, on est bien sur la chaîne, on est bientôt 400 000 quoi, on est à 2000 des 400 000 alors. 2000 plus 398 000 ça fait 400 000, tu sais le... Abonne-toi, par pitié, s'il te plaît, frère. Moi aussi, un jour, j'ai envie d'atteindre le niveau des grands. Moi aussi, un jour, je rêve d'une banque. C'est le mec qui dévie sur une pub et tout. Bref, les frères, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, car cette vidéo sera 18h. Oui, parce que cette vidéo est programmée pour 18h. L'intro est longue, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, vidéo et réaction en mode chill, en mode chillax, hein, en mode... Que bastu. Aujourd'hui, on va réagir à l'émission Next Made in France. Il y a eu plusieurs épisodes qui ont été faits par plusieurs youtubeurs. Je me suis dit que j'aimerais bien en faire une aussi. Que les grands. Oh, cette vidéo va être longue, cette vidéo va être longue. On va regarder tout de suite, on va regarder 2-3 épisodes, histoire que la vidéo fasse 30 minutes et que je gagne un bon paquet d'argent. Voilà, j'ai envie de partir aux Maldives, moi aussi. C'est parti. Le concept de l'émission est très simple. Alors, oui, je lis mon téléphone, c'est pas grave. Alors, dans chaque épisode, un garçon ou une fille a un rendez-vous avec 5 candidats sur la base du concept du speed dating. Dans 5 prétendants, une personne, ils vont venir un à un la voir et elle, soit elle les recale, soit elle les accepte. Elle leur dit viens dans ma vie. C'est très simple, frère. De toute façon, tu vas comprendre. Je peux avoir une explication. J'ai du mal à m'exprimer, je suis en train de des cours, c'est grave faux. Bref, on commence tout de suite. Oula, ça a déjà commencé, doucement. Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans. Il a mis la petite jurie, j'ai mis ta carreau. C'est pour ça que je ne sors qu'avec des beaux mecs. Je craque pour les petits minets blonds avec la mèche et seuls eux pourront toucher mes fesses. Par embrasse les muscles finiront dans le bus car ce sera next. Elle... Ah, c'est la version... Ok. Ah bah d'accord, bah écoute, bah on prend dans le temps, on prend. Vie, car je vous attends pour un moment orgasmique. Ok. Voici les garçons. Désolé frère, j'étais pas au courant. Salut, je m'appelle Pierre Damien, j'ai 23 ans. Passionné par les phénomènes météo, aujourd'hui c'est une vraie tempête qui débarque. Salut, moi c'est Mickaël, j'ai 21 ans, je suis une diva chérie. Aujourd'hui tu pourras t'occuper de moi. Hé hey, Mika, j'ai 21 ans, je suis passionné par l'art sous toutes ses formes. La 8ème avenue du monde, elle est ici. Salut, moi c'est Mike. Comment il s'appelle le mec avant? Non, Richard, je suis pas trop fan de ce qu'il a dit. C'est pas fou. T'as eu l'autre, t'avais Mika, je suis une diva, je suis piqué et tout. Lui, c'est pas. T'es pas fou, Richard, t'es. C'est Maxime, 21 ans. On m'appelle Madame Connasse, mais je suis aussi une pétasse. Salut, j'ai 19 ans. Je suis passionné par le dessin et aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau modèle. Voilà, Jérôme, ça va être mon gars dans cette émission. Ok, donc là, en fait, finalement, ça va être 5 gars et un autre dans gars. Le bus, les garçons sont prêts à poser. Thibaut cherche son modèle. Voyons lequel sera choisi pour se faire tirer le portrait. Thibaut, il a du plomb. Et vous attendez quoi, du gars? Moi, j'espère que c'est une bombe, quoi. En tout cas, s'il me next tout de suite, alors là, je faut que je jette un bâton. Faut que je fasse quelque chose. Ah non, parce que là, c'est clair que ça va pas le faire. Pierre Damien est le premier à rencontrer. Mais c'est qui en fait le gars? Il veut devenir son chef-d'œuvre. Donc là, Pierre c'est le premier. Ah non, c'est Pierre Damien, il s'appelle, oui, il avait deux prénoms en un. Mais pour les autres modèles, il va surtout servir de brouillon. Oh, puisque vous n'avez plus rien à dire, je me lève. Ça doit être trop stressant de passer le premier. Bonne chance, chérie. Et... Pierre Damien a 23 ans, il a fait l'amour dans un taxi. Dans un taxi? Mais frère, à la base les taxis, c'est pour t'emmener d'un point à un autre. Bonjour monsieur, taxi, enchanté. Emmenez-moi à Paris, d'accord, monsieur, vous avez l'argent? Paris, d'accord, et tout, etc. Non. Damien, il fait l'amour dans le taxi. C'est ça que tu as deux prénoms en un seul. Pour t'appeler, c'est Badlon. Porte des magazines au boulot. Moi, je vous le dis, il va se faire next. Directement, regardez bien. Regardez bien. Je prédis. Salut, Thibaut. Pierre Damien. Enchanté. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le prêt-à-porter. Ok, pas mal. Okay. J'ai un petit truc pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de mettre ça au milieu? Au milieu? Bah, dans ton paquet pour voir ce que ça donne. Ouh! Lui, il est cash, hein. Il ne rigole pas. Je comprends pas le principe, chérie. Vas-y, mets-le. Oh là là, ça passe trop facilement. Ah, next! Alors, chérie, on va bouffer du fou. Hein? Mais ils sont malades! Il lui a dit quoi? Il lui a dit tiens, où ça dans ton logo? Et on va voir. Il est là, il met. Ah, ça passe trop facilement. Oh là là, mais non! Mais non, champion! La taille ne veut rien dire! La preuve, moi je suis 1m90, je vais pas me battre. Il a pris ça, il est parti ramasser du fouet. Déjà par terre, il y avait du fouet, il a pris, il a jeté, guetté. M'a bouffé du fouet. Tu m'as donné le pinceau pour voir si j'en avais une grosse, parce que je suis sûr que toi t'en as une toute petite. Bien dit, bien dit. Damien, même ma soeur est moins affinée que toi. Damien, Thibaut était bête à manger du foin. Ça lui est égal. Autour de Mickaël. Ah ça je l'aurais mal pris. Moi après je suis pas de ce côté là mais je l'aurais mal pris. C'est un vrai ton les filles, vous allez voir, c'est atroce. Vous allez être pas déçu du voyage. Ma chérie, je laisse y aller, hein. À toi. Alors vous allez voir les garçons, que moi la diva ce soir, aujourd'hui. Mickaël montre-leur, Mickaël montre-leur, ma gueule, Mickaël montre-leur. Eh, tue ça gros. Voilà, Mickaël, voilà. 21 ans, il se gratte l'oreille en permanence. Il adore se donner en spectacle. Et on le surnomme la diva. La diva, ma gueule. Respectez la diva, gros. Il va lâcher dans deux secondes. Ah,
Franchement, je vais te dire juste un truc, tu devrais bien refaire ton visage et le make-up, je crois que t'es pas pour toi, donc bye bye. On m'en va là. Racisme un peu, non? Why you call me monkey? Il a même descendu du bus, il a dit next, tu comprends pas là. T'as un truc à nous dire? Tu veux nous avouer un bail? Oh non, c'est même pas, il a laissé avancer. Il a mis ses deux mains. Il a créé comme ça, next. Oh la dé. Je croyais en toi, Mika. Pardon, pas Mika, la diva. Je croyais en toi, la diva. Claquement de doigts, je t'ai dit next. Thibaut a fait disparaître Mickaël en un claquement de doigts. Jérôme est le suivant. Il est fini, toi. Allô? Alors chérie, je vais lui dire un truc, le mec déjà, un, il se prend trop pour un beau gosse, et franchement, voilà, bon laisse bref, moi je laisse tomber parce que je pense que j'ai plus de valeur que lui, je suis une diva, bref, Jérôme, toi qui joues le malin, fais à ton tour, j'espère bonne chance pour toi. T'inquiète, tu m'as dit que c'était une crevette, je vais la gober. Ça c'est de la phrase, je la remets juste une deuxième fois parce que j'avoue j'ai kiffé. T'inquiète, tu m'as dit que c'était une crevette, je vais la gober. Voilà. Les frères, on assiste à Jérôme Prime, c'est sûr. Jérôme a 19 ans, il est sorti avec une drag queen. Il est adepte des endroits insolites et il a vomi pendant qu'il faisait l'amour. On a 19 ans, on est pareil. Jérôme, fais-moi plaisir. Montre que notre génération, on n'est pas... Bon, arrête, ça date l'émission un peu quand même. Mais montre que quand on a 19 ans, on a des capacités que les autres n'ont pas. Défends-nous, Jérôme. Bonjour, Thibaut. Jérôme. Mais là, bizarrement, il fait la bise, il est un peu raciste. 19 ans. Vas-y, tu peux te tourner un petit peu pour voir. Ok, ça va, pas mal. Batman, t'aimes Batman? Ouais, j'aime bien tout ce qu'il y a. Ok, je suis un super-héros. Ouais, si tu veux. Ok, va falloir que tu montres ça un petit peu. Tu me suis pour une activité? Ok. Ok, on est parti. Oh, loup! Il a tenu jusqu'à l'activité. Jérôme, ai-je raison ou pas? Quand t'as 19 ans, t'es capable de choses que les autres ne sont pas capables. Oh, chérie, y'a ta tendance. Tendance, chat. Mais vous avez perdu, vous avez perdu. J'ai 4 pinceaux. À toi de me dire lequel te correspond le plus. Tu vas choisir le pinceau qui te correspond le plus. Ok, d'accord. Il lui fait choisir un pinceau. Il y a un gros pinceau, un petit, un fin et tout, qui correspond du coup à la taille de sa bouteille de Fanta. D'ailleurs, Fanta, si vous passez par là, une petite collab. Après, avec ce pinceau, tu vas devoir l'attacher à un certain niveau, à la place de ton pinceau à toi. D'accord? Ok? Ouais. Et après, je te ferai faire une petite activité. D'accord. Il s'appelle comment déjà le mec avec sa coupe là? Et que moi je connais bien les tailles. Ah bon? Et que là, tu connais bien la taille. T'approuves. Tu as une très très belle tendance. T'approuves de bien marcher. Ouh. Voilà, et toi? Qu'est-ce que très, je regarde? Très très belle tendance aussi. Un petit bisou. Attends. Toi aussi? J'ai rendu, chérie. Toi aussi. Voilà. Vraiment, oublions cette séquence. C'est pas grave. On est là pour rigoler, on est là pour chill. Tranquille. Mais a-t-il le déhanché qu'il faut pour peindre un cœur? Mais c'est quoi cette activité là? Déjà, pour tremper le pinceau, tu te débrouilles pas mal. Montre-moi tes capacités de super-héros, Batman. T'inquiète. T'as tué cette couleur. Mais c'est quoi cette... Mais à quoi j'assiste là? À quoi on assiste là? Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Maxime. À quoi tu joues comme activité? Je sais pas. Fais leur schéma. Une balade, regardez les frères. Moi, je vous dis, moi, comme je vais me répéter, une activité très simple. Pour voir si la personne te correspond, allez au Louvre. Si vous faites tout le Louvre sans qu'il y ait un blanc dans la discussion, c'est que cette personne est faite pour vous. J'ai testé, j'ai approuvé. Moi, je vous donne un petit conseil, c'est tout. Regarde l'activité. Il lui fait tromper son biscuit pour faire un cœur, frère. Il est beau, mon cul, non? Forcément. Si, regarde. Attends, j'ai un beau cul, ma chérie. Je suis cambré. On m'appelle les meilleures fesses de Paris. Ah ouais? Les meilleures fesses de Paris, c'est les miennes. Je sais pas ce qu'il raconte. Hein, Déjà, dans un premier temps, t'as choisi le petit pinceau. Je pensais que t'avais un meilleur pinceau que ça. Deuxième temps, pour dessiner un cœur, tu me choisis du vert. J'ai envie de te dire, next. Moi qui croyais avoir un rendez-vous avec un mec, t'as raison. Salut, bye. Ce n'est pas valable, Maxime. Parce que il a un petit pinceau. Déjà, tu le juges. D'où t'es... T'es qui pour juger toi? En plus de 1, il prend du vert. Et alors, même s'il prenait du rose, du bleu, du rouge, il est où le souci, frère? Ta sale dégaine là, tes gros chaussures, ma gueule. Eh, Jérôme, c'était mon gars, frère. Oh non, Jérôme, c'était mon gars, il a tout cassé là. Le mec, il m'a cassé les couilles pendant je sais pas combien de temps pour me dire next à la fin. À ton tour, madame connasse. Ah, mais non, mais Jérôme, c'était mon gars, il pouvait tout gérer là, ils vont tous flop, frère. Ah non, c'est lui, Maxime. Merde, comment il s'appelle l'autre? L'autre, on va l'appeler Hugues. Non, Philippe. Voilà, on va l'appeler Philippe. Il s'aime un peu trop et il a couché avec un travesti. Oui, le palmarès, ouais. Attends, stop. Ah, il te va super bien, le t-shirt Madame Connasse. Merci. Next. Merci, j'ai eu peur. Virez-le moi, il est même pas drôle. Qu'est-ce qu'il fout dans l'émission, lui? Ses contours, il les a même pas. Sa grosse chemise bleue. Ça m'intéresse pas. En plus, tu m'as l'air un tout petit peu hystérique sur les bords, donc merci. À
habillée tout en rose, c'était pas Madame Connasse qui te fallait, c'était Madame Folasse. Maxime ne pose pas. Il méritait toute ma gueule, toi tu les mérites pas, gros. Alors, argent. C'est horrible. Mais c'est à toi, sauve l'honneur, venge-nous. Mais ça se voit, lui déjà, il est pas sûr de lui. Oh non, ça se voit, il est pas sûr de lui déjà. Richard a 21 ans, il déteste les beaux garçons, il s'est fait refaire le nez et il drague souvent les mecs de ses amis. Hein ? Mais Richard ! Je suis débordé. Salut. Enchanté, Thibaut. Moi, c'est Richard. Qu'est-ce qui se dit dans le bus en ce moment ? En ce moment, que. Une petite blonde au visage rouge qui va pas du tout en fait. Pardon ? Ouais. Une petite blonde ? Visage rouge. Ok, et toi, tu penses quoi de la petite blonde ? Qu'elle est pas ça, ça va, t'es mignon. D'accord, passable, je préfère que tu corriges par mignon. On est d'accord. Bon, qu'est-ce que tu aimes dans la vie Un peu dominant, Philippe, hein. Non mais c'est bon, d'accord, je sais pas. Bah, c'est bon, on a compris, frère. Déjà, il vient avec sa chemise bleue. En plus, le pire, c'est qu'ils t'ont grave insulté. Et il vient, il arrive, il dit des trucs gentils. Et toi, tu fais des reproches, Philippe. Là, t'adores ? Ok, génial, on va bien s'entendre alors. Chérie, t'as pas vu tout à l'heure ce qu'elle nous a fait avec sa langue, un truc complètement dément. Non, ça va. Oh là là, regarde, on dirait qu'elle a une... Wesh. Richard doit terminer l'œuvre de Jérôme en reprenant sa technique très particulière. Pas très pratique, hein, ton truc. Tu es rouge maintenant. Bah ouais, bah bien sûr. Ah putain. Tu dirais à tes copines que je me suis vengé un petit peu. T'es tellement mignon. Sexy. C'est quoi cet exercice? Ok, j'adore, c'est bon. Tout ça pour sortir avec une personne, tout ça! Les temps ont évolué! Un petit DM, salut, tu vas bien? Une petite chèvre, et puis c'est bon, la discussion elle s'engage. Non, là faut faire des dessins, faut faire des cartes comme ça, faut faire des trucs comme ça. Ouais, c'est trop! Attends, il nous avait caché ça. Une démo? Mika, tu t'es fait éliminer en une seconde. Doucement. La diva, elle va se calmer, la diva. Mika, il finit tôt. Il a même pas mis les deux pieds du bus qu'il est sorti. Et il commence à chanter encore quand tu... Mais comment t'as dignité, Mika ? Donc tu vois, ces bonbons, quand tu les manges, après tu fais pipi de la couleur du bonbon. Bon, allez, tu choisis quelle couleur ? Vert. Oh là là, mais non ! Il a fait la mauvaise couleur. Vous donnez pas les indications. Entre prétendants, donnez-vous les indications. C'est le dernier. Prends exemple sur celui d'avant. Pipi, ça. La relation la plus longue avec 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Sans rien faire à côté. T'as fait comment ? Bah, j'avais l'homme qu'il me fallait. D'accord, et c'était combien de fois par semaine ? Ça pouvait être du 2 fois par semaine ou du 7 ou 8 fois par semaine. 2 fois ? Ah là là, c'est pas assez ça. Bah, attends. 7 fois, oui. T'as un dragueur ou pas ? Pas vraiment, je suis très timide. Si tu devais me draguer, tu ferais comment ? Je te donnerais à manger des bonbons magiques. Vas-y, donne, pour voir. Du rouge ? Oui, bien sûr. J'ai envie de faire pipi rouge. C'est vrai. Eh, la discussion, elle est légendaire, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. En l'espace de 2 minutes, on a eu affaire à 7 fois par semaine. Bonbon couleur rouge, j'ai envie de faire pipi rouge. Wesh, les frères, s'il vous plaît, doucement. Bah, cherche-le. Ah, t'es gourmand en plus. Bon, je te propose maintenant d'aller faire pipi pour voir l'effet qu'elle nous a fait les bonbons. Ah, je veux bien voir ça, ouais. On a entendu la même chose. Il est grave de mauvaise foi, là, le Philippe. J'en ai marre, moi. Ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Mmh. Donc maintenant, t'as le choix. Soit tu pars avec 33 euros, soit tu restes avec moi pour un second rendez-vous. C'est gentil. Mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Non, je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir. On regarde un deuxième épisode, les frères. Deuxième épisode. Salut, je m'appelle Julien, j'ai 23 ans, je suis un mec plutôt cool et sympa. J'aime les filles avec du charme, hyper naturel, avec des seins et des fesses fermes. Et regarde bonito. Un sourire à faire décrocher un radiateur. Je déteste les filles poilues, je déteste les filles qui roulent un peu des mécaniques, ça raconte. Et si t'as pas des belles mains ou des beaux pieds, c'est next direct. Alors je suis un grand fan de football, donc je te promets que si tu me plais. Ah ok. Donc là c'est juste, en gros c'est des filles. T'as 5 prétendantes qui sont là pour Julien justement. Donc là Julien nous explique un peu comment il fait, etc. J'ai oublié de préciser, pardon. Et voici les filles. C'est parti. Bonjour, moi c'est Elisa, j'ai 22 ans et j'ai des atouts gros comme ça. Coucou, moi c'est Maya, j'ai 23 ans et j'espère que t'as le goût de miel parce que comme les abeilles, j'adore butiner. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 24 ans. C'est pas parce que j'ai un physique de bimbo
Je suis pas une intello. Ah ça serait bien comme dicton. Ah comme l'autre avec ses dates. 2 ans et je suis la preuve vivante que tout ce qui est petit est mignon. Salut, moi c'est Amal, j'ai 25 ans, je suis chorégraphe et si tu veux une danse privée, t'as qu'à me choisir chérie. Julien se prend pour insultant avec un harem qui l'attend, mais dans le bus les filles ne sont pas prêtes à partager. Vous imaginez comment ? Dans plus mignon, ouais. Avec du charme, du charisme, un mec quoi. Qu'est-ce qu'il a dans la tête aussi, ouais. C'est très important. Mais, c'est mais ça c'est après, c'est pas en 2 minutes que ça peut le voir. Exactement, c'est pas en 2 minutes. Moi qui ai un regard intelligent, mais bon. J'y vais et je suis pas prête de revenir. Hein. Ah, on verra ça. On verra ça. Vous allez alors elle, voilà pourquoi l'image des blondes, elle est saccadée à mort. Ah, là, c'est qu'à cause des filles comme ça que les blondes prennent des coups de base. Mais là, ça s'allume, soyez soudain. Environ 800 parfums. Elle passe plus de 2 heures dans sa salle de bain chaque matin et elle collectionne 800 parfums. La tête de Romain, elle. Oh non, c'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. 800 parfums. Elle a 22 ans. On va faire le calcul. Un parfum tient à peu près un mois. Un mois, un parfum. Il y a 12. Un mois, non, dans un an, il y a 12 mois. Donc 12 parfums par mois. En fait, je blague là. Mais un parfum, ça dure même pas qu'un mois. Un parfum, ça peut durer plus longtemps. Sauf si vraiment le parfum, t'es là. Non, un vrai parfum, c'est une dose par jour. Il y a 30 jours dans un mois. Dans un mois, tu mets 30 doses. 30 fois 12 parce qu'il y a 12 mois. 30 fois 12. 360. Je me suis perdu un peu dans mon calcul. Hein. Ouais, on va reprendre. Tiens les piercings. Elisa. Julien. Voilà, enchanté. Enchanté, Elisa, hein, ta connaissance. Moi aussi. Alors. Désolé, t'es trop vulgaire pour moi. Je suis vraiment désolé. Direct. Bon, bah d'accord. Désolé, mademoiselle. De rien. C'est pas parce que j'ai un style un peu trash que je suis vulgaire. Mais ouais, c'est une dinguerie sa répartie, frère. Imaginez qu'elle est vulgaire en mode bah c'est pas son style, écoute madame. En plus elle a dit mademoiselle, désolé. Elle a dit t'es trop moche. Toi t'es vilain toi, toi. Non, t'as grosse coupe. Tu t'es vu avec ton jean troué déchiré. Ah t'es vilain toi. Ouais, c'est la classe. T'es 800 parfums là, tu concurrences qui ma gueule. Tu pues la merde mec, t'as 800 parfums, tu pues la merde ma gueule. Elisa a fait peur à Julien. Maya est la suivante. Ouais, aura-t-elle plus de chance qu'Elisa? Elle a fou ce mec, je vous jure les filles. Ah mais t'es que vous avez dit. Alors, Maya à ton tour d'y aller, bonne chance, bon courage. Hein. Ah, il est moche, il est trop mal à l'aise. Ah non mais dis pas ça. Bon. Il a un jean déchiré. Ta gueule. Maya a 23 ans, elle se fait appeler Newt par ses amis. Sa mère l'a surprise dans le lit de sa grand-mère en train de faire l'amour et elle est incapable de toucher du coton. La description, elle est vite. Pourquoi elle s'appelle Mute? Elle a pas de voix, elle parle pas, elle parle trop. Sa mère l'a surprise en train de... Salut Julien. Maya. Et j'adore les filles qui mettent ça sous vêtements, donc tu vois, t'as marqué un point. Donc bah, on va faire une sélection. Ouais, ils sont... Ouais, j'aime bien le début de l'émission, là, c'est pas si mal. T'es tous les deux? Ok, super. Ça te dit? Ouais. Allons-y. Quel âge tu as? 23. Tiens, tu vas t'asseoir là. Ouais. Alors moi, j'adore Aladdin. J'adore mes films de l'Orient. Je t'ai fait une petite ambiance orientale. Ouais, c'est bien. Je vais te donner un petit défi. Que fait la chicha? C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ah. Tu vas prendre cette lampe, c'est la lampe d'Aladdin. Mm-hmm. Et on va voir comment tu vas la nettoyer, comment tu vas la frotter pour voir s'il y a un génie qui sort ou... Tu peux déménager en général? Ah oui. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, j'ai beaucoup de chemises à repasser pour le travail. Donc, Ah, c'est ce genre-là que tu gères? Puis ça sort pas en plus, là, ton génie. Je comprends pas, je réagis pas parce que je comprends pas les faire. Les filles découvrent les trésors cachés d'Elisa. Mais moi j'en ai un, là, tu vois. Moi j'ai rien, moi. Là? Ouais. Ouais. Moi j'en ai là. Vas-y, mon frère. C'est moi? Non, on veut pas moi. On cache, ça va. Ouais. Ah, t'es très 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 mignonne, Maya. Merci. Mais je suis très 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 curieux. Donc, je t'ai préparé une petite surprise dans la lampe que tu vas nettoyer. Mm-hmm. T'as un vœu, certainement. C'est quoi? Oh. Trop dur. J'aime pas ce génie. Méchant. Mais c'est un génie? Le papier qui écrit next. Mais t'as vu, là, il a recalé Maya parce qu'il était trop curieux. Et ouais, les frères, la curiosité tue. Tant pis, hein. De toute façon, j'avais fait un vœu. C'est qu'il se transforme en beau gosse parce que c'était pas trop ça. Oh, Maya, t'as réparé. Le seul regret que j'ai de t'avoir pas nexté, dans c'est que je sais que tu portes pas de soutien-gorge, mais je saurais jamais si tu portes pas de culotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous, on y a cru. Bah, Anne, tu vas voir, c'est un petit chauve. Tu vas tout comprendre. Anne a 24 ans, elle a déjà fait ses courses les fesses à l'air sans s'en rendre compte. Elle se démaquille le matin avant de se maquiller. Récapitulatif, elle a déjà fait les courses les fesses à l'air sans s'en rendre compte. Le but d'un pantalon, c'est de se rendre compte qu'il est porté, premièrement. Et deuxièmement, c'est de l'avoir pour que ça cache tout, un peu le bas, se chauffer, etc. En plus, elle se démaquille avant de se maquiller. Ça veut dire, en gros, elle va dormir, elle se maquille pas. Mais lec, chacun sa classe. Le matin, elle se démaquille, après elle se maquille. Son visage ne respire pas, ma gueule. Anne, enchantée. Julien. Attends, tu voulais m'embrasser?
direct sur la bouche. Non, hein. Encore. Encore, bah, c'est toi. Encore. Pas mal. T'as du charme. Et tu le sais. Ah bon? Ouais. Ah bon. Ils sont trop mignons, ils sont... Ouais, c'est... Ouais, le charisme, c'est exactement ce qu'il a recherché. Vrai ou faux? Bah, je sais pas, ça te va dire. Ouais, je pense que tu sais que t'as du charme et que tu as un jour. Tu penses? C'est très bien, c'est une forme d'intelligence. Moi, j'ai un truc à te proposer, si tu veux. Pas mal. J'ai fait une petite préparation au aîné. Et tu vas me faire un dessin sur la main. Est-ce que ça te convient? Ouais, bien sûr. Alors... Et tu penses que je prends le style de mec que tu pourrais présenter à tes parents? Je peux pas dire ça tout de suite, mais ouais, je pense que t'as tout pour. Voilà. Je bon, peux pas en faire plus parce que très je bien, sais pas ouais, dessiner très bien, et très bien. Si j'avais commencé à... Bah, de base, le aîné, pour ceux qui savent pas, c'est genre... je saurais pas bien vous expliquer, mais attendez, je me renforme plus avant de dire de la merde. C'est une pratique traditionnelle qui consiste à faire des dessins sur la peau, généralement des mains ou des pieds. Tu connais, histoire d'informer les gens, on est là pour aussi s'instruire. C'est une vidéo humoristique, on s'instruit, un truc, abonnez-vous. Vous avez vu, comme ça, s'il y a des personnes de plus de 30 ans, vous avez vu comment je suis un peu intelligent, genre... Pardon. Bah écoute, moi ce que je te propose, si tu veux, je vais t'essayer de changer, c'est de me faire une petite danse orientale. Ok, bah écoute, on va essayer. Mais... On essaye ? Je promets rien, mais on va essayer. Allons-y, mademoiselle Anne. Je demande de faire des danses orientales, mais si c'est pas sa culture ou truc, y'a moyen qu'elle connaisse pas, wesh. C'est comme si moi je suis là, je suis un date. Ok, ouais, intéressant. Ah, t'es riche, ok, t'es riche. Ah, t'as de l'argent, ok. Ouais, je vois que t'habites dans une villa, ok. Mais est-ce que tu sais danser le zouk, hein? T'as pas de complexe, toi, Elisa? Non, ça va. Enfin, j'aimerais bien muscler un peu plus les fesses, si vous voulez que je prenne les détails, et puis voilà, donc je fais du sport, et sinon ça va. C'est quoi, j'ai une bonne méthode, c'est ce que tu fais? Allez, moi, je vais te donner une bonne idée. Allez, en fait, tu te mets comme ça, ouais, tu vois. Ouais, je le ferai pas. Et ça, tous les jours, 30 fois. C'est pas Thibaut Inchep, hein. Peut-être Thibaut Inchep. Peut-être Ribo Inchep, je sais pas c'est qui. C'est très, très, très bien. Ouais, c'est très, très sympa. Très. Et toi, tu danses quoi? Peut-être après. Elle gère, hein. Enfin, je crois qu'elle gère. Je sais pas, j'ai d'abord regardé cette danse traditionnelle. T'es très bien, là. Très, très, très bien. Choisis-la. Toi aussi, t'es très charmant. Choisis-la. Vas-y, la pitch, s'il te plaît. S'il te plaît. Next. C'est vrai? Vous t'attrapez pas, non, Julien, ma gueule. Moi, je suis un mec, toi, Julien. Très bien, fin de journée, mademoiselle. Julien, je t'ai dessiné un A sur la main. Et tu sais, c'est un A de abruti, pas un A de Anne. Anne. Pas mal. Les filles, non, je suis pas venue pour le rencontrer à lui, certainement pas. C'est pas un alors, c'est à qui la menace? C'est à Caroline. Moi. Bon, les filles, courage, Caroline. Bon courage, hein. T'inquiète pas. Ma gueule, le poteau. Caroline a 22 ans. Elle a eu besoin de 85 heures de conduite pour obtenir son permis. Oh le danger. On peut se le dire, oh le danger. Moi, pour vous donner une échelle, moi j'ai fait 27. Et en général, tu peux passer ton permis quand t'as passé minimum 20 heures. Oh le danger public. Les poules lui font peur et elle n'a jamais eu d'orgasme. Salut. Bonjour mademoiselle. Ma belle Caroline. Salut. Ah. Je te serre la main. Il lui a serré la main, on sait que c'est mort. Je dis racisme. Je dis racisme encore une fois! Je connais pas encore trop donc tu fais pas trop la mise. Mais t'as oublié de faire la chemise par contre. Oh, c'est le petit style. Mais comment ça se fait? Style écolière. Ah d'accord, avec la petite cravate. Il fait chaud alors. Dans le bus alors. Très bien mademoiselle. Eh ben on va se dire salut alors. D'accord. Allez. Elles avaient raison, un vrai stronf. Hein. Au revoir, très bonne fin de journée. Et ferme la chemise, il fait froid. Alors mademoiselle Stronf. Alors, je sais pas ce que t'as voulu dire, je crois que c'était Schtroumpf, mais c'était pas ça en tout cas. Julien, c'est un bâtard! Il s'en fout de la vie, lui, il s'en fout. Il est raciste. En plus, cette émission est raciste. Hein. Voilà, moi je le dis. En tant qu'écolière, je voulais pas trop que tu rates ton bus. Donc voilà, il est là, il t'attend. Pas mal! Caroline s'est prise pour une écolière, Julien l'a collée, il ne reste plus qu'à mal. Oh, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il en faut pas la peine, je te l'avais dit. Amal, c'est à toi. Oh, il va trop pas, qu'est-ce qui s'est passé? Amal a 25 ans, elle a déjà fait l'amour chez le dentiste. Elle croit que les poissons se moquent d'elle quand elle se baigne et elle déteste ses narines. Déjà, on va détailler comme tout à l'heure. Fais l'amour chez le dentiste. On est là pour les dents, ok? Donc, je ne sais pas que t'as fait d'autres choses avec tes dents, mais c'était pas les bonnes utilisations des dents. Je sais pas, c'est pas un truc de guignol, ça, elle se baigne, je crois que les boissons, ils se moquent de moi. Car tout le Amal, monde peut voir à l'intérieur. La mère, c'était Anne. Ça va? Salut Amal. Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va. T'as pas un peu froid comme ça, tu veux ma veste? Ah, je veux bien, ouais, c'est gentil. Julien est-il très prévenant ou bien est-il tombé sous le charme d'Amal? Tu prends un thé, Amal? Avec plaisir. Et t'as d'autres passions par la danse? Bah oui, j'ai acheté une collectionneuse de fées. J'adore les fées. C'est quoi, c'est la fée clochette? Il a juste regardé les tétons. Il a fait comme ça. Le collier, il est là, il a fait.
Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. T'es un pervers, frère. Julien teste aussi les talents de danseuse d'Amal. Julien rejoint Amal pour un pas de deux. Allez, lui, c'est l'annex qui a un souci. Non. Comme les autres, Amal est remonté dans son carrosse. Julien a découvert que les contes de fées ne se terminent pas forcément bien. C'est dommage parce que t'étais vraiment très mignon. Amal, t'étais très mignonne, tu danses très bien, mais malheureusement tu n'as pas réussi à me faire craquer. Putain de merde ! C'est pas du mec boréal là ! Oh, il est chiant, franchement, elle est con, elle est bête, elle s'en est comme ça, c'est dans toute série. Pourquoi face à la caméra tu dis ouais, elle était mignon et là tu l'allumes devant tes copines ? T'as trop senti, il m'a vu arriver. Il n'y en a aucune qui m'a tapé dans l'œil, donc je vais rentrer tranquillement chez moi et je vais continuer à jouer au foot. Julien, même au pays des mille et une nuits, tu ne devrais pas rêver. Next. Franchement, on a eu une panoplie de personnes assez bizarres, hein. Les frères, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous en voulez une autre, bah 25 000 pouces bleus, allez, on augmente la barre, on essaye de... voilà. 25 000 pouces bleus, épisode 2. Bref, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez trop drôle, mais ton plafond va tomber. Voilà, mettez ça. Comme ça, je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais liker vos commentaires, etc. En tout cas, les frères, passez une très bonne fin de journée. Bref, bisous les frères.